chemin. J'ai un travail à faire. Accès refusé. Identité introuvable. CDP, restez en mouvement. Eh bien, salut à tous, c'est Thibaut Glitcher. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3. Donc aujourd'hui, ça va être un petit sujet. Donc comme vous aurez pu voir dans le titre, est-ce que je commence les vidéos sur Black Ops, les glitches sur Black Ops 3? Donc c'est un petit sujet qui vous fera peut-être plaisir ou non. Donc pour ceux qui veulent des glitches sur Black Ops 3, et ben je me suis dit peut-être que ça devrait être cool. Donc avant ça, et ben j'ai un pote donc qui regarde ma chaîne YouTube depuis longtemps. Donc c'est pas un pote que voilà, c'est un pote IRL. Donc c'est un pote qui a toujours été sympa et tout. Et il m'a dit ouais, pourquoi tu commencerais pas des glitches sur Black Ops 3, ça cartonnerait et tout machin. Et donc bah je me suis dit ouais pourquoi pas. Donc de base hein, je me suis dit ouais pourquoi pas. Mais j'étais pas sûr. Donc au début je disais ouais si tu veux, mais bon pas trop. Et au bout d'un moment bah en jouant Black Ops 3 et en trouvant 2-3 petits glitches, enfin un glitch pour l'instant, et ben je me suis dit bah voilà pourquoi pas. Et du coup bah je vais faire des glitches sur Black Ops 3. Donc je vais pas en faire si vous les voulez pas vraiment, si vous voulez tous pas. Donc après s'il y a la majorité qui en veut, bah je vais en faire. De toute façon je vais pas en faire souvent. Mais mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des glitches sur Black Ops 3. Donc par contre je vous ferai pas, enfin sûrement pas en tout cas, sur tout simplement les modes zombies. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pas acheté le pack et bah je compte pas l'acheter, enfin pas pour l'instant en tout cas. Et donc je compte pas pour l'instant l'acheter. Donc si je l'achète, bah je vous ferai des découvertes, des nouveaux modes zombies, genre des DLC. Ou alors tout simplement des glitches dessus en fait. Et donc voilà, et donc aussi n'hésitez pas au passage à me dire dans les commentaires si vous aimez ma nouvelle intro, donc qui a été réalisée par Nathan Sternad. Désolé si je le dis mal en fait. En fait j'arrive pas trop à dire ton nom de famille Nathan, donc je suis désolé. En fait je sais pas si c'est Sternad ou c'est Sternad. Franchement. J'ai jamais de toute façon su en fait. Et donc voilà, hein. Donc dites-moi, et donc oui, comme vous avez pu le voir au son, donc quand vous écoutez mon intro, ça sature. Donc au début ça fait normal, et dès que ça commence à partir à la fin du break, bah vous allez tout simplement entendre que ça sature, donc ça fait zzz, ça grindille un peu, ça grésille. Et donc bah j'ai modifié ça hein, tout simplement. En fait c'est moi qui ai rajouté les bruits de pistolet parce que lui il n'avait pas fait, et voilà. Donc bah c'est moi qui l'ai fait, et vu que ça a saturé, bah j'ai rebaissé le son. Enfin, en fait j'ai refait l'intro comme il fallait. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus à cette vidéo, ce qui me ferait super plaisir, et à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, désolé, comme vous aurez pu le voir à la fin, ça a bugué. Donc je voulais dire, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ciao tout le monde.